Alors je suis avec des producteurs qui produisent notamment des fruits rouges et pendant toute la durée du salon, eh bien, ils vont à la rencontre de leurs clients en région parisienne. Là, ils vont voir deux clients et on va aller les voir avec eux. À deux pas de la tour Montparnasse, produit bourguignon à la main, ces producteurs rendent visite à ce chocolatier, à l'intérieur de véritables sculptures. Et un chocolat avec une crème de cassis, la ferme Fruits Rouges lui en vend une trentaine de litres par an. À Paris, on connaît les produits bourguignons. Exactement, et on en parle beaucoup, parce qu'en fait, la ferme Fruits Rouges est très connue par le salon des Coques d'Or et ainsi de suite. Donc on a vraiment des clients communs, et nos clients aiment ça, de savoir qu'on travaille avec la ferme Fruits Rouges. Cette pulpe-là, on va la mettre au fond, et puis on ajoutera une pointe de sucre pour en fait permettre la conservation. Et toujours en bio. Ouais, toujours en bio. Bah ça, c'est bien. On lui a amené un petit pot de beurre de cassis, parce qu'on aime bien, quand on amène des choses qu'il nous commande, lui en amener d'autres choses qu'il n'a pas forcément commandées pour peut-être aussi faire travailler son imaginaire et puis entretenir une relation. Dans les beaux quartiers parisiens, cette boutique où la Bourgogne-Franche-Comté a toute sa place, pas moins de 200 références, dont certains spiritueux. Alors, on a pris les crèmes de cassis. Vous allez aussi avoir les mares de Bourgogne, fait sur Meursault. Sur la Franche-Comté, on a les kirsches de Fougerolles. Et pour finir, l'absinthe. Quand même, faut pas l'oublier. La première chose qu'on pense quand on pense Franche-Comté, Bourgogne, c'est vraiment le vin. La Côte de Nuit, la Côte de Beaune. Et on oublie un petit peu l'arrière-pays qui produit des liqueurs et des spiritueux. Ça marche auprès de vos clients, ça, ces produits? Oui, ça marche parce qu'il y a une authenticité et puis il y a un savoir-faire régional. Les vins, les spiritueux à Paris et puis au salon, les vaches et notamment les Montbéliardes, elles vont bientôt partir du salon car ce soir c'est la rotation et les laitières sont remplacées par les vaches à viande. Alors nous, on va suivre ça ce soir pour vous en parler dès demain. Belle soirée.